Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu le dernier coup un petit peu le projet La Purge. Ouais, ça a dû bien choquer du monde, je m'en doute bien. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu plus en détail sur le jeu EP. Alors déjà, je le vois déjà dans la vidéo le dernier coup, j'ai vu, j'ai complètement les cheveux. Je pense que je vais garder les cheveux longs, je suis pas sûr parce que ça me fatigue, ça m'énerve. J'ai les cheveux qui partent en big là, c'est chiant. Moi, c'est pas le délire. Ah, donc du coup, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? EGP avec tout ce qui s'est passé en 2024 en énorme connerie, je vous garantis, il y a un énorme changement. Alors sachez quand même que déjà EGP, ça fait des années que ça existe, hein, 27 ans cette année. Et bien sûr, il y a une chose qui est très importante là-dessus, c'est qu'il y aura des nouvelles choses. Alors déjà, je fais un petit spoil là-dessus et je reviendrai aussi dans une autre vidéo, encore une vidéo encore, sur mon site internet. Je vous garantis, j'en ai énormément marre de mon site internet qui n'est toujours pas fonctionnel. Pour une bonne raison, c'est que je n'ai pas le timing en ce moment. Alors bon, actuellement, quand je vais tourner la vidéo, donc nous sommes toujours le 30 mars parce que je suis toujours dans le tournage. Et en fait, je suis sûr et certain que beaucoup de gens vont se poser la question quand je vais uploader ça pour le 2 septembre. Entre deux, ça sera peut-être fini. Mais ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, on s'assure que les gens, tout aura été mis à jour, tout ça. Le site internet, pour info, sera à peu près disponible. Je ne sais pas pour combien de temps. Mais là, de toute façon, je sais qu'au mois de mars, là, c'est sûr. Avril, mai, juin, juillet, août, il n'y aura rien de fait, c'est sûr. Pour ma part, pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça qui se fait actuellement. Comme vous avez vu actuellement, parce que moi, je sais. Mais comme vous avez vu que dans tout le début d'année, même jusqu'au mois de juillet, août, il n'y a eu que des vidéos, la série, la lanterne et un petit peu de trucs à droite à gauche. Mais ça reprend que là, à partir de septembre. Pour une bonne raison, c'est qu'on n'avait vraiment pas le timing de tous les côtés. Je vous garantis, c'est une dinguerie. Avec la maison, là où je tourne, là actuellement, là oui, je suis à Flavigny, je ne suis plus depuis le 12 avril. Hein. Le 12 avril, je suis parti de Flavigny. Voilà, donc ce qui fait, c'est que voilà, donc voilà, c'était impressionnant, je vous garantis le bordel. Hein, je ferai peut-être une vidéo thématique aussi là-dessus, encore peut-être. Ou peut-être non, plutôt, je vais garder quand même ça aussi pour les anecdotes. Ça, j'adore. Alors voilà, donc les anecdotes, on verra ça. Bon, bref, là actuellement, à l'heure que je tourne, je suis à Flavigny, je pars, nous sommes le 30 mars, dans 15 jours pile, je pars d'ici. Donc du coup, je fais énormément de rush. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo qui est sortie depuis un moment. Et la série lanterne, c'est facile à produire, pas beaucoup de minutes, et les lanternes sont juste à côté. C'est simple. Voilà un peu le truc. Après, il faut penser aussi à une chose, c'est que toute cette histoire de site internet, j'ai pas eu le timing de faire ça, pour une bonne raison. La bagnole qui était toujours en rade. Pendant 3 mois, la bagnole, oui, parce que oui, c'est vrai qu'en début d'année, on n'a pas eu l'occasion de s'en parler. Bref, la voiture, pendant 3 mois, jusqu'en le 31 janvier, elle était en rade. Je l'ai récupérée le 31 janvier. Une semaine après, elle retombe en rade. Bref, c'était le gros merdier. Je vous garantis, c'était le dawa du début jusqu'à la fin. Donc voilà. Là, actuellement, quand je parle, j'ai encore la voiture. Mais je reparlerai, bien sûr, dans mon mois du futur, justement, par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'aurai aussi dégagé ma voiture, je vais racheter une neuve aussi. Hein, voilà. Donc là, actuellement, en septembre, oui, j'ai une nouvelle voiture. Mais je vous garantis, c'est un truc de ouf. Déménager de Flavigny, déménager d'Épernay, récupérer une nouvelle voiture, c'est très, 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 ouf, très dingue. Alors je vous garantis, ça, on en parlera plus en détail là-dessus plus tard. Voilà, ça, c'est un truc délire, délirium. EGEP, donc là par rapport au site internet, là j'ai pas le timing, la base, tout ce qui est 80% est fait, donc ça c'est bien, il n'y a plus qu'à l'uploader sur OVH, ça je vais m'en occuper quand j'aurai fini déjà d'être ici, donc à peu près vers le mois de juin, je suis sûr que ça sera bon, tout sera uploadé en interne, tout sera réconfiguré, et on va également découvrir des choses intéressantes. Alors je pense que énormément de gens l'ont vu entre deux, parce que bien sûr je l'ai fait entre deux, mais je vous en parlerai plus en détail dans des vidéos spécifiquement conçues pour le sujet. C'est des vidéos techniques
sur des passionnés et des choses comme ça. Il y a un site internet de Dominique, justement, qui retrace beaucoup de choses sur les clashs publics de Belgique. Il y a Pierre Alain avec son Dominique, avec son musée. Je vous mettrai aussi tout ça, bien sûr, quand ça sera le moment. Donc, il y aura ça également qui sera réincrémenté. Également, des personnes qui sont actuellement, depuis le mois de mars, bien avant aussi, incrémentées dans EGEP. Donc, actuellement, nous avons un EGEP Belgique qui se situe déjà du côté de la Belgique, donc du côté wallon. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, à l'heure que je parle, il n'y a que EGEP Belgique, wallon. Et il y a également d'autres personnes. Il y a une personne qui se situe du côté de Lyon qui réfléchit encore. Il y a d'autres personnes, il y a peut-être 4 personnes actuellement, à l'heure que je tourne, qui réfléchissent si oui ou non ils veulent s'initier et se mettre dans le GEP. Et en fait, je vais faire comme donnerait le CIER un conseil, c'est de faire des antennes GEP partout en France et voire en Europe. Ça peut être intéressant. Donc là, actuellement, nous sommes en septembre. Je pense que mon mois du futur pour me le dire. Mais il y a moyen comment que toute cette situation se fasse. Mais il faut penser à une chose, c'est que comment quand l'idée a été faite, je ne pensais pas. Et puis finalement, oui. Donc là, j'attends les réponses de toutes les personnes. Et dans le courant de l'année, du début d'année, ça a été fait. Et donc, ce qui fait, c'est que voilà, donc là, il y aura sur mon site internet des pages dédiées au département directement. Et il y aura également donc les personnes en question. Je pense que vous le verrez par vous-même en fin d'année. Les personnes, par exemple, je ne peux pas citer de nom réellement pour l'instant parce que ben, les personnes n'ont pas encore fini de signer les contrats et tout le bordel, le formulaire. Bref, il y a ça. Déjà la Belgique, ça c'est bon, ça c'est validé. Il y a simplement voilà que il y a les vidéos qui vont être faites, donc bien sûr avec mon logo et tout le bordel. Bon là c'est bien compliqué, mais qui seront aussi uploadées sur ma chaîne principale. Voilà, un petit peu le truc déjà par rapport à ça. Je paie en général. Après nous avons la partition dans le GEP, la nouvelle partie que vous aviez depuis début d'année, la partie Baudet. Oui parce qu'on s'est engagé l'année dernière à faire une collection, même 2 ans en arrière. Une collection d'horloges. Ça paraît débile, ça paraît fou. Je vous en ai parlé en début d'année par rapport à ça quand j'ai commencé à faire mes présentations d'horloges. Pour info, c'est un petit délire qu'on s'est tapé au début. Et puis finalement, ça me rappelle des souvenirs parce qu'il y en avait beaucoup d'horloges quand j'ai connu. J'ai également un site, une page Facebook sur ça. Je vous montrerai ça également. Hein, bien sûr, j'ai énormément de vidéos de présentations sur des sites. Des pages et compagnie, ça peut être très intéressant à vous montrer. Il y a également d'autres trucs intéressants, notamment le petit délire que j'ai. Donc là, bien sûr, je vous ai parlé de Baudet, mais j'ai ma petite conviction que moi, en tant que dessinateur technique, que je me suis maintenant amusé à développer plus en détail, mais je vais aussi développer une autre partition, une petite facette de mon enfance. C'est l'électronique. Donc là, actuellement, j'ai également commandé et récupéré énormément de catalogues. Notamment, bon là, je ne les ai pas à côté. Si, bon, je vous le montre vite fait parce on va le voir bientôt. On a des catalogues de composants électroniques. Parce que je vais me remettre à 100% à redessouder des composants, ressentir l'odeur du composant qui chauffe, l'étain qui chauffe, qui fond. C'est magnifique. Donc voilà, je vais refaire une session sur ça. Et peut-être faire des vidéos sur des rénovations, démontages, ressoudages, des trucs comme ça, de diversifier. Voilà, donc on aura ça. Donc voilà, donc le GP, donc il y aura une partition que je vais m'amuser à refaire ça. Donc du dessoudage, l'électronique. Je vais faire beaucoup d'électronique. Après, j'ai également, donc je vous dis, la partition Baudet qui est immense. Actuellement, j'ai fait une énorme mise à jour du dossier Baudet. Le dossier Baudet complet fait 8, 600, non 500, à peu près 560 pages. Ça fait beaucoup. Donc voilà, ce qui fait, ça fait 568 pages, je crois. Et ce qui fait, c'est que voilà, donc la partition Baudet, je ferai une vidéo bien spécifique là-dessus Baudet en septembre.
mais un petit peu plus tard, je pense. Mais voilà. Mais après, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de choses qui vont se produire dans ces prochains temps. Mais je prends plaisir, je vous garantis, je prends plaisir à les faire. Et ça fait plaisir. Et après, voilà, donc je vous donnerai les infos petit à petit. Donc là, actuellement, nous sommes le 30 mars. Je ferai une vidéo peut-être plus tard. Entre deux, je vous donnerai les infos aussi également sur ma page Facebook. Parce que ma page Facebook, vous pouvez y aller. Hein, il y a toutes les infos, les nouvelles choses et tout ça, les trucs les plus croustillants aussi. Je vous invite à regarder tout ça fera plaisir. Donc cette fois-ci, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et je vous donnerai un petit peu plus d'infos plus tard, il n'y a pas de souci. Donc comme de bien entendu, bah... Ça fait quand même des choses intéressantes et on a hâte de voir le site internet. Bon, j'ai encore un peu le timing, mais bon, ça va. Hein. Un fait pas faux!